Espérance, mesdames et messieurs, directeur exécutif RNDDH, qui lui-même sorti dans silence li là. Eh bien, côté monsieur ça lui-même, comment pile monde connaît, qui si on en est qui toujours a fait gros déclaration dans pays ya, comme on en est qui toujours gen dossier dans mel, parce que on en est qui dit la défend droit moun, il pas capable gen dossier, hein, parce que nèg sa ou yo puissant à terre, nèg sa ou yo fort à terre, Hélène dit Pierre Espérance, donc c'est pas n'importe qui. Pierre Espérance, tout le monde connaît qui ça tout ça lui-même li pesé dans pays ya, comme on en est qui gen pouvoir. Oui, Pierre Espérance, monsieur très fort. Monsieur très 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 fort et en pile monde respecte ça. Mais comme ça tout si on en est qui cause en pile petit jeune al nan prison, et bien comme le cas de Sanon et donc et tout ça qui était fait qui pas 10 l'année dans prison, et bien grâce avec coûte mais tété ak divers l'autre monde monsieur était arrivé quitter prison jusqu'à jodi a bagay ça arrêté un problème entre monsieur avec Pierre Espérance et tout gagné et ben et dossier prison pénitentiaire qui t'est écrasé et ou pral saisi tande qui gros toro qui t'est voyé nèg ça va écraser pénitentiaire national pour t'être capable mettre yo équipe gros poisson dehors yo équipe gros puissant bandi dehors gros prisonnier d'ailleurs, mesdames et messieurs, et mes Pierre Espérance, monsieur Lagué causé à la, et vous pral saisi tande, nan parmi tout bandit sa yo qui te quitté pénitentiaire, qui te évadé dans prison, hein, et ben, t'as gagné 60% nan nèg sa yo qui déjà voyage dans pays sans chapeau, et vous pral saisi tande qui complot qui fait pour nèg sa yo même capable, et ben, disparaître. Capable disparaître, mesdames et messieurs. Pierre Espérance, monsieur, pas mettre dans la bouche pour le parler causer. Nous allons inviter au détail. Il y a toujours Jean-Bertrand Aristide, eh bien, qui est même très présent là, dans le nouveau gouvernement, ça, qui est là, eh bien, qui c'est CPA, qui, et lui-même, finalement, il y a Edgar, et Leblanc Fils, qui c'est nouveau président du pays d'Haïti, et c'est monsieur qui pral diriger le pays, ça. Eh bien, nous connaissons Jean-Bertrand Aristide, Lavalas, Maurice Jean-Charles, petit Dessalines, mais toujours Lavalas. Eh bien, Lavalas là, n'est-ce qu'il contrôle à terre, n'est-ce qu'il contrôle pouvoir, n'est-ce qu'il contrôle gouvernement, ça, qui là, parce qu'un pile n'est-ce qu'il dans gouvernement, c'est Lavalas, n'est-ce qu'il y a. Eh bien, Jean-Bertrand Aristide là, monsieur, c'est sous deux cagés, la brède l'eau glacée, parce que monsieur encore au pouvoir. En écoutez pour plus de détails, n'a pas tourné. Oui, mais. Communication privée. Oui, oui, même à dire ça public, quotidien. Et puis. Et en même temps, tout le monde dit que la cassation n'est pas une option. Et ça fait pas quoi, c'est parce que, moi, toujours pour exemple, dans le conseil. Mais nous ne pouvons pas tout rentrer dans la politique là. Nous ne pouvons pas tout prendre. Non. On préfère prendre. Non, non. Il y a plus beaucoup de monde qui sur ça. Non, nous ne pouvons pas faire. Nous parlons dans la question des droits de l'homme. MD tout consacré sur ça. Non, non, nous parlons dans le droit de l'homme. Comment ça y est? Il est sur une situation de 2 mois. Parce que c'est une crise qui mène nous là. Bon, 2 mois goumen et qui crase le pays, monsieur Gango prend la rue, attaqué Boris, attaqué par l'autre bord. Après, on va prendre ton poubelle. Non, mais qu'on est comment RNDDH a gardé, qui bilan nous fait de 2 mois ça précisément. Bon. De ce qui passe dans le pays, parce que quelqu'un qui dit, ce qui passe sur le bagage, catastrophique qui passe là. Bon, et tout d'abord, si vous regardez, et Jean vous dit, semaine passée à le conseil a fini installé, si je ne pas tomber, c'est le même jour, un jour après, et puis vous avez parlé de bilan Ariel là, et vous parlez d'un bilan catastrophique. Eh bien, sa équipe Ariel là, qui était. Non, premier temps, accord 11 septembre 2021. Après ça, on a eu un accord 21 décembre 2022. Ça a fait dans le pays, il a pris un peu de temps pour le ravager. Pour réparer. Pour réparer. Et il a mis Haïti dans une situation côté le bas de Jambier. Et c'est extrêmement grave. Et qu'on est là, map de bilan, ça, c'est un bilan catastrophique. Et c'est un bilan côté qui a parlé des questions droit, son l'état des non-droits, son négation totale des questions droit monde, dans façon équipe, et ça, dans l'accord 11 septembre 2021, et accord 21 décembre 2022, dans façon de gangsteriser le pays, dans façon que vous mettez l'état à tête plate, vous crasez toute institution. Quand vous êtes là, en arrivé sous
fin février pour arriver journée aujourd'hui. Ou bien si vous voulez commencer janvier. Si vous prenez janvier pour arriver journée aujourd'hui, année ça a plus mal toujours que année et qui est passé. Qui est passé. Maintenant, si vous voulez commencer 29 février, le et attaque prison. Attaque prison. Non, mais ok. Le 2. Attaque prison, en fait, le 2 pour arriver 3. Mais le 29, là, c'est laisse à gagner au bail démonstration. Jean yo exécuté de policiers qui étaient affectés dans sous-commissariat Bon Repos. Pendant qu'il se passait 2 heures de temps. Policiers ont demandé renfort. Pas jamais de renfort qui vient bail. Et puis, ça, et 2 jours après, ils viennent écraser prison. Prison, hein, et c'est livré au état-major de la police a livré prison particulièrement pénitentiaire national à gang yo. Ou dit l'on dit livré, vous voulez dire négligence ou bon bagaille concocté? Non, négligence pas veut dire niveau livré au café négligence, mais non c'est livré son ba yo livré m'a vexé que pour ça. Yo te connait une attaque qui pral fait sous prison parce que prison a été menacé. Et la police a été pris en disposition, ils ont mis des unités spécialisées dans la police et sous dos et coussiveillé des comptes qui t'a contrôlé prison et qui t'a contrôlé et bandits et qui t'a repoussé bandits tout et puis t'es gagné plusieurs blindés qui étaient dans zone là. Ils ont arrivé dans le jour samedi 2 mars 2024 là. Ils ont demandé policiers yo ni ça qui était et sous dos couvrir les comptes ni ça qui était dans blindé yo, ils ont demandé pour désengager et l'ordre là t'est passé par une directeur départemental et l'ouest yo une DDO on a un DDO 1 un DDO 2 et c'est une yo vous êtes passé l'autre là. Vous demandez pour policiers désengager. Désengager. Ça veut dire désengager. Quitter espace là. Quitter espace là. Retirer corps sous cours supérieur des côtes là et puis retirer blindé. Et c'est à partir c'est là ça et pas dire avancer. On dit avancer et puis on vient prendre monde qui était besoin. Même m'a dit non bagaille qui est important à ça. Il y a plus pour nous parler. Quelque chose on va parler. Et oui, parce que nous pas parler du tout dans mois février, peut-être nous pas oui nous parler en janvier. Moi j'étais absent pays à et sorti premier pour arriver 18 le tout ne va pas aller et puis c'est kounia c'est premier mai ça fait combien de temps c'est peut-être et mars avril ça fait environ 3 mois ouais et donc c'est comme ça situation est arrivé au niveau et pénitentiaire national son bagage qui planifié et Mabdou tout Assad et bandio que G9 et alors m'a dit gang et vivant ensemble que G9 et allié puis GPEP yo te gen pile gros poisson ça veut dire gros bandi dans et prison pénitentiaire nationale qui était besoin mettre dehors. Donc ça vous voulez dire que attaque contre prison yo un objectif là c'était mettre de gros poisson dehors. Exactement. Tant qui est non on prend exemple sous prend et ancien policier qui était dans zone Delma 95 et Tigre et qui c'est équipe Payo il était besoin mettre le dehors pour le t'occuper en haut. Oui pour le t'occuper en haut il était besoin tout par exemple bout de Jean-Jean et pour il était mettre le dehors il mettait le dehors pour prendre contrôle la saline et tant de tout alors gain gros gain non gain pas gain non gè pas gè gros nom mais c'est des monde qui compte goumen yo te besoin mettre dehors et yo mettre dehors mais faut que nous tout et gagner environ dans sac pas gè gros nom 60% là-dedans qui déjà mouri comment gagner dans sac pas gè gros nom yo qui sauver qui sauver que ouvre prison mettre dehors yo mouri dans goumen soit avec policier yo mouri oui yo 60% oui bah comprendre non parce que qui s'est passé qu'est-ce qui arrivé là yo retourner dans base yo. Et puis il y a la bataille avec policiers, soit dans champ de masse ou bien l'autre côté. Et puis ils sont tombés. Ils sont tombés. Ah bon? Oui. Et pour 60% parmi bandits qui sortent de prison sont tombés. Non, Mabdou, ça qui était affecté dans gang yo. La gang yo, c'est Mabdou. Oui. 60% de gang qui prend la rue mourit. Oui.
yo mouri parce que yo son bon nouvelle ou là oui 60% non mais ouais mais vite dans l'émission pas de nouvelles oui ou pas les vite votre maison en votre maison ok on j'aime moins les sons de votre comme ça en votre maison pas de vous pas besoin pas prendre non ok ok oui oui gagne 60% là dans yo qui mouri c'est à dire que yo et parmi yo ou joue une tigre et tant d'autres quoi 60% dit oui qui mouri et qui m'estime son bon bagage et dans gourmet avec la police. Oui, oui, parce que c'est dans gourmet avec la police et c'est des monde qui impliqué dans kidnapper population. Mais la police pas jamais parlé de ça Pierre. Comment on fait au courant de ça? La police pas jamais dit ça. Et maintenant ici quoi. La police nationale là je dis hein, depuis 29 février 2024 après ça qui passé dans quoi des Boukéa et ça qui passé 2 et mars dans pénitentiaire nationale parce que quand même c'était bandit. Attention parce que mes quoi la frappe l'ampile et la fait il fait distorsion c'est des bandits faut m'aller plus bas non on va parler même mais oui mais on va frapper gain énergie ça me fait oui mais essayez ranger moi OK et croiser moi yeah. OK gain des bandits et qui et la c'est la police qui a arrêté bandi et les nex qui extrêmement dangereux et qui vient retourner dans et dans la rue, il vient représenter un danger pour les policiers. Et sans compter ça qui arrivait 29 février dans la zone Bon Repos, depuis là, ça, les policiers n'ont pas recevoir l'autre dans mes hiérarchies. L'homme dit hiérarchie, attention, je ne vais pas parler de direction générale de la police, non, depuis dans le sous-commissariat pour arriver dans la direction centrale. Je ne vais pas prendre l'autre. Non. Et DGPNH sont des gens qui contestent. Qui perdent du contrôle de la police. Ils perdent du contrôle de la police par rapport avec ça qui passé. Et c'est des bagailles. Dans la prison. Oui, dans la prison. Et puis le casse Kaila tout. Dans la prison Kaila. Kaila, il faut que je balaye l'explication du suspect. Parce que M. Tegué a quitté Kaila 2-3 jours avant. Et on est au directeur général de la police pour qu'on entre comme ça facile la caillou on entre bah ça dit suspect est-ce que c'est monsieur qui a fait tête passer pour victime on pas connaît ça nécessite son possibilité lui capable 60-40 ah bon oui 60 que là monsieur fait pied caili pour le tourner victime de l'autre côté belle action à poser là on a mettre plusieurs côtés en deux pays pour décentralisation, nous pas trop rentrer sous lit, mais nous garantissons une décentralisation normalement, complètement, parce que je dis à fond, nous capables de prendre destin nous en main. Nous ne sommes plus nés qui pas avoir aucun changement. L'homme je dis là, que nous pas jamais pensé, qui derrière tout mouvement yo, l'irélé Jean-Bertrand Aristide avec Acol, avec international là, c'est lui-même qui toujours au téléphone qui a dicté international là quoi faire et comment faire pour la gueule bah yo petit qui a volé. Ba yon ti piti kap volé. Ça veut dire que tout ça qui a passé en deux pays là, Jean-Bertrand Aristide fin coordonner avec Michel Martelly. Maintenant, à cause de quelques crimes que Claude Joseph gagne sous lui, Martelly pas apparaître, Jean-Bertrand Aristide pas apparaître, il a utilisé Joseph Claude. Yo mette Claude devant et bien vin faire pour nous. Mais tout était fait déjà par la direction même Jean-Bertrand Aristide qui gétant organiser pour remettre Cité Soleil, toute zone qu'on est qui est génie, pour y remettre yo bay l'Occident, bay américain, pour américain capable de mettre business là-dedans. Mais, ne yo kon kouri, yo pa kon kache, yo pa kon comment que coup de guidon a fait dans le pays. Et c'est peut-être ça que moi dis nous. Mesdames, messieurs, Haïti pas simple. Haïti pas un pays comme ça. A ge gros bataille dans le camp ennemi yo. Mais nous même faut nous préparer nous. C'est peut-être ça me dit nous. Pas refuser de mettre main avec nous. Pas refuser parce que nous-mêmes, nous avons l'autre direction. Nous avons l'autre direction côté que les nègres ne sont pas capables de cacher. Ils ont couru, mais il faut qu'ils bouquent. Ils ont couru, mais il faut qu'ils bouquent. Mais pour qu'ils bouquent, il faut que nous préparions nous pour nous faire bouquer. Au moment qu'ils bouquent, pour qu'ils soient capables, ils n'ont pas de pays encore. Nous arrivons au moment pour nous retirer pays dans le pays. Mais restez vous-même, qui soit ouvré. Ce que vous devez comprendre. Qui soit ouvré. Jean-Charles Moïse comme c'est ça que moi-même moi mandé en dehors du pouvoir. L'IF toujours fait des deals politiques pour le rester vivant avec bien sûr des stratégies que l'entend à quel que soit pouvoir qu'en fait.